Oh, mais pourquoi Philippe Etchebest pète un câble contre ce patron de restaurant? Laissez-moi finir! Va-t-il réussir à se calmer et à faire entendre raison à ce mec qui a l'air de s'en foutre complètement? Tu connais peut-être ce fameux extrait de Cauchemar à l'hôtel où le chef Etchebest est confronté à Pierre Pira, patron d'un hôtel à Aix-les-Bains. Pour faire court, deux cuistots talentueux de l'hôtel se sont cassés le cul avec Etchebest pour tenter de redresser la situation économique catastrophique de l'hôtel. Ils ont passé la journée à cuisiner des petits plats pour repenser toute la carte du restaurant. Etchebest et les deux cuistots tentent de faire goûter les nouvelles spécialités à Pierre Pira, le patron, mais ce dernier a l'air de s'en battre complètement les couilles. Alors ça énerve à mort le chef Etchebest qui ne tarde pas à lui rentrer dedans, et il a bien raison. Mais ça fait pas du tout réagir monsieur Pierre Pira, le patron. Moralité, même si t'es le meilleur prof du monde, en l'occurrence ici c'est Philippe Etchebest et que tu fais de la pédagogie, eh bien tu auras beau donner tous les outils du monde pour réussir, eh bien tu pourras pas faire progresser ton élève. Alors ça sert à rien de perdre ton temps et ton énergie avec des élèves qui sont pas intéressés. Concentre-toi sur les élèves qui, eux, sont motivés pour réussir.